Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Véder le Mike, comment ça va? On est reparti sur l'aspect de Spider-Man, écoutez, ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé sur ce jeu, mais en même temps. Soyez des paparazzi trop bien sapés? Ouais, ben non. Peter, cet endroit centralise tous les dons faits aux institutions caritatives de l'île. Des vêtements, des livres. Ils reçoivent des cartons par camion de toute la ville. Ça semble être un réseau de distribution parfait pour le trafic de drogue. Ce qui apparemment est leur vraie priorité. Question, comment vous faites pour vous reconnaître? Je veux dire, vos masques, ils se ressemblent un peu tous. Come on.
Wouhou! Eh ben mon vieux, MG, ils ont pas été simples ceux-là, je te le dis. Ok, c'est super. Je vais envoyer un tuyau anonyme à la police. Je suis sûr que si on trouve ces livraisons, à mon avis, ils trouveront pas que des fruits. Oh la vache! Celle-là, elle démonte. Regardez, mais. Regardez ma nouvelle! Ma nouvelle tenue, elle démonte. Non? Si elle démonte, mets un pouce bleu. Tiens, il a même des griffes et tout, le mec, tu sais. Réduit la gravité. Alarmiste, paranoïaque. Oui. Spider-Man, vous venez nous épauler? Je me suis dit que vous en auriez besoin. Et ça, c'est rien de le dire. Le truc, il ressemble même plus à Spider-Man. J'ai jamais rien vu de pareil. La police scientifique a du fil à retordre. D'après les infos, c'est ici qu'Otto a diffusé le souffle du diable. Il a peut-être laissé des traces que je peux suivre. Times Square. Norman Osborn, Better Mayor for a Better New York. Mon cul, oui. Un meilleur maire pour une meilleure New York. C'est, en gros, c'est ça que ça dit, ça. Enfin, non, c'est exactement ça que ça disait, pardon. Je... Ben oui, ok. Qu'est-ce que j'y fasse? Des résidus sur ce panneau. Je peux peut-être l'isoler. Bon, c'est alors ça... Riche en père athée, si on peut le passer. On va pas s'emmerder. C'est du souffle c'est du diable. C'est le souffle du diable. Devrait pouvoir retrouver la voie de dispersion. La piste part dans plusieurs directions. Je dois trouver le bon. Les traces de vapeur mènent à ce bâtiment. De la hauteur. La piste passe de ce bâtiment à l'autre. La piste passe par cette ventilation. Qu'est-ce qu'Otto fichait ici? Il doit y avoir une porte ou une trappe d'accès pas loin. Ouais, on sait que c'est la thèse. Non, mais là, j'ai trouvé la trappe. C'est, voilà, c'est pour ça que j'ai appuyé sur triangle. C'est bien ce qui me semblait. Eh ben, bonjour l'ambiance.
franchement, je trouve qu'elle est beaucoup plus classe cette tenue que la tenue normale, moi, non? Oula! En effet. Que la lumière soit. Wow. C'est ici qu'Otto planifia ses opérations. La panique de l'évasion était la couverture idéale pour s'installer ici. Otto agit par colère. L'interface nord accentue le sentiment, mais sa frustration est profonde. Il est prêt à détruire la ville pour atteindre Norman. Mal à croire qu'il s'agisse de l'homme que j'ai rencontré au Fist. On dirait qu'Otto a enregistré des messages pour ses sbires. Oh, Martin. Quand j'ai compris que c'était toi qui t'attaquais à Osborne ces dernières semaines, j'ai d'abord été consterné. Puis en voyant ce qui se passait, je me suis senti... On dirait qu'Otto et Martin ont plus en commun que je l'aurais cru. Depuis quand est-ce qu'ils se connaissent ? On dirait qu'Otto a étudié les points faibles de la technologie de Sam. Norman. J'ai l'impression qu'il est impossible de lui échapper. Il sourit et donne de grandes accolades devant les caméras. Mais en coulisses, il me tient à la gorge. Comment se fait-il que personne ne voit à quel point il est égoïste, dangereux? Ce bon vieux Rhino, un de mes deux Russes préférés. Alexei, j'ai suivi votre carrière avec le plus grand intérêt. Le monde vous voit comme une brute épaisse. Otto a développé un agent corrosif pour libérer Rhino de sa tenue. Une certaine agence gouvernementale n'est jamais arrivée. Otto a réussi en 2 jours. Mac Gargan, alias Scorpion, alias Jojo le Bargeau. Je n'ai pas l'habitude de dire cela, monsieur Gargan, mais effacer vos dettes de jeu s'est avéré plus compliqué que prévu. Certains de vos créditeurs sont pour le moins intransigeants. Mais, une fois le travail du réservoir terminé, vous serez débarrassé de vos obligations financières illicites. Otto Octavius sait se montrer persuasif. Scorpion vient en aide à Otto en échange d'une ardoise propre. Plus de dossier pénal, plus de dette de jeu. Ce bon vieux Vulture, je lui ai volé dans les plumes un sacré paquet de fois. C'est le vautour. Adrian, quelle triste ironie que vos merveilleuses ailes aient infligé à votre corps une telle infamie. Par chance, vous travaillez maintenant pour moi. Quand nous en aurons terminé, le traitement que j'ai mis au point vous sauvera.
Vous n'êtes pas encore débarrassé de l'étreinte de cette vie, mon ami. La source d'énergie des ailes de vulture a causé un cancer de la moelle épinière. Otto travaille sur un traitement expérimental pour le sauver. Ouais, en fait, il s'est acheté tous les super méchants, quoi. Le grand des disjoncteurs. Max, quand vous m'avez fait part de votre rêve, j'ai d'abord cru que vous étiez complètement fou. De l'énergie pure. Cependant, en me penchant sur la question, j'ai trouvé un moyen d'atteindre nos buts respectifs. Le grand rêve d'Electro est de se transformer en énergie pure. Le Doc a réussi à modifier son harnais pour le rapprocher un peu plus de son but. Qu'avons-nous là ? Otto a dû utiliser cette carte pour planifier son coup, mais elle est vierge. À moins que je rate quelque chose. Ampoule UV. Il se passe rien. Il doit y avoir un moyen d'allumer cette lampe. Et voilà. Des annotations cachées. Je savais bien qu'il y avait un truc. Vulture, Electro, Rhino, Scorpion, Icarus. Le projet Icarus. Lead to secure DB anti-serum. Alright. Bah oui, non, mais j'ai bien compris, mais qu'est-ce que je te dise, moi? Dernière étape du plan semble être un assaut direct sur un Scorp. Espèce Rhino vise les propriétés d'un Scorp sur la côte. Par laquelle il va commencer. Electro est chargé des centrales électriques de Scorp. Logique. Que fait Vulture à Times Square? Je ferais mieux de rester sur mes gardes. Scorpion doit chercher à contaminer le réservoir de la ville. Encore une propriété de Scorp. Ouais, voilà. Vous avez le plan. Il recherche le sérum du souffle du diable. Avec quelque chose appelé Icarus. Devil's Breath. Devil's Breath Anti-Serum. Ok. Bon, bah c'est bon là, non? Icarus. J'ai vu écrit ça sur une caisse là-bas, là. Icarus, c'est ça. Bonjour, Spider-Man. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter. Je suis Otto Octavius. Y a pas d'Icarus, c'est ça? Non. Martin n'a besoin d'aucune aide pour s'emparer du sérum. Icarus était un leurre pour t'amener où nous le voulions. Où vous le vouliez? Je te dépose. Ça fait du bien de travailler pour quelqu'un comme Octavius. Le vautour. Pour ses plans de secours. Le vautour, j'ai toujours kiffé. Son costume change souvent avec la technologie qui évolue. Je kiffais bien sa version à plume aussi. Laboratoire secret du souffle du diable avant lui. Je suis sur le coup. Je passe en revue tous les permis de construire de la ville. Le labo est enregistré. Je le trouverai. Génial. Ok. À bientôt, MJ! Du coup, ils utilisent la technologie sable. Il s'en est tiré. Mais pas indemne. On passe au plan B. Ah bah oui, la bombe. Ah!
J'avais presque la larme à l'œil, Electro. Ça se voit que t'as grandi en prison, non? Je suis en train de les défoncer, tu sais. Je les prends par deux, les mecs. Ah, pour une fois que quelqu'un comprend mes références, j'ai presque plus envie de me battre. Je vous le dis franchement, vous préférez quand vous étiez en solo. Boum. Un peu comme l'eau et lui. Ouais. Je dois lui faire baisser sa garde d'abord. Je dois le frapper un grand coup. Je dois l'étourdir ou le surprendre. Reste tranquille. Une dernière petite chose. Ouais, mais lui, je vais lui faire ça combien de fois là avant qu'il tombe? Je dois souffler un peu. Putain, je vais mourir.
D'accord, j'avais pas compris, je suis con. J'avais pas capté, putain. Jouer les rabat-joie, mais je crois pas que vous ayez bien saisi la situation en fait. Fatigué l'araignée ? C'est juste un coup de chance ! Aïe aïe aïe. Bon écoutez les amis, on fera ça dans l'épisode prochain. Ça fait 44 minutes, c'est déjà plutôt pas mal. Mais voilà, c'est plutôt chaud là hein. Bon, prochain épisode, on combattra Electro et le Vautour. Attendez, on va essayer vite fait. Bon, je voudrais pas jouer les rabat-joie. Mais je crois pas que vous ayez bien saisi la situation. Le problème de Spider-Man, tu vois, c'est ça. Ils sont plutôt chauds, hein, ils sont plutôt chauds. Un au tapis, un encore debout. On l'a fait combien de fois cette petite danse, Adrian? Une dizaine? Une vingtaine? Beaucoup trop de fois. Ce soir, ce sera ta dernière balle. Et voilà mes amis, qu'est-ce qui est parfait pour clôturer cet épisode à part battre le Vautour et Electro en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Nickel. Electro a été mis à terre. Spider-Man, je présume. Si tu
tenais vraiment à cette ville comme tu le prétends, tu m'aiderais à prouver qu'Osborn n'est qu'un vulgaire criminel. En tuant des gens innocents? J'aurais rétabli le courant. Vous êtes malade, vous avez besoin d'aide. J'ai toute l'aide qu'il me faut. Et nous n'arrêterons que quand Norman aura eu ce qu'il mérite. Et voilà les amis, en tout cas si t'as aimé cet épisode, mets un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait super plaisir, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et puis moi je te dis à la prochaine, dans un prochain épisode. Ah, allez, ciao tout le monde, je vous laisse la fin de la cinématique.